Aujourd'hui, dans nos grands axes RSE, on est intéressé. L'éducation est un de nos premiers axes. On a été d'ailleurs les premiers à créer au Sénégal une formation en alternance, où on payait l'intégralité de la formation pour que les jeunes puissent se former à l'école et en magasin. Donc tout ce qui concerne l'éducation et le fait de professionnaliser les gens, nous on est prêts à accompagner plusieurs projets comme ça au niveau du Sénégal. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on connaît aussi toute la partie intérêt surdimensionnée pour le football, en particulier au Sénégal. Donc on s'est dit que c'est intéressant parce que ça mêle les deux. Et comme Gervais Martel est quelqu'un qui est connu et reconnu pour son professionnalisme, pour l'éducation des jeunes et pour tout ce qu'il a fait dans le monde du football, ben on s'est dit que c'est sérieux. Parce que ça, c'est souvent aussi un problème. Parfois au Sénégal, on nous vend des grands projets et puis derrière, il n'y a rien. Donc quand c'est sérieux, nous, on est prêts à accompagner. Donc voilà, donc là, on va les soutenir. Et on espère que demain, ça va permettre à des jeunes de se professionnaliser, peut-être sur le foot, tant mieux, mais sinon, d'avoir un certain niveau d'éducation et de pouvoir, pourquoi pas, prétendre à travailler chez Auchan ou ailleurs, de trouver des postes facilement au Sénégal.